Salut à tous les gars, c'est Fabien qui nous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va présenter une moissonneuse qui est sortie le 20. Voilà, elle est sortie le 20. Donc c'est la classe Lexion 750. 550, pardon, 750, n'importe quoi. Donc du coup, c'est une très très belle machine. Donc là, on va faire le petit tour comme ça et tout. Voilà, donc là, c'est la barre de coupe. Donc, a priori, rien de spécial, de spécialito, quoi. À part que du coup, quand on est dedans, donc du coup, déjà on peut commencer par. Donc, faut mettre ça bien sûr, hein, tout le temps. On va faire ça, on va l'enlever. Donc, ici, on replie la rampe. Donc, là, regardez. Hop. Tac. Non, c'est trop dur de l'extérieur. Voilà, hop. Donc, là, vous pouvez voir que ça se replie et ça se déplie. Voilà. Ici, on peut ouvrir la porte. Voilà, donc là, on replie, tac, on ouvre la porte. Ici, on peut éventuellement baisser ou remonter et baisser le volant. Ici, on peut voilà, faire je ne sais quoi. Voilà, j'ai pas compris. Ça, il n'y a rien qui bouge depuis tout à l'heure, j'ai essayé. Donc ici, c'est pour l'ordinateur. Ici, c'est pour le capot arrière. Donc là, on peut voir Mercedes. Punaise, Mercedes et tout. Ici vous pouvez voir que c'est pour déplier voilà la trémie. Donc c'est super pratique pour pour des roleplay et tout, c'est super bien. Donc voilà, donc du coup là c'est à peu près tout pour les options. Franchement c'est vraiment très simple, très court, mais voilà c'est super bien. Donc là tac, voilà, donc là du coup on l'accroche, tac, et donc voilà, donc là c'est une petite barre de coupe, franchement tranquillo, et c'est super pratique. Voilà. Du coup, on va l'éteindre et on va aller voir un petit peu dans le magasin combien ça coûte cette machine. Tac. Oula. Alors, du coup, quand on l'achète, donc du coup, 330 chevaux. Donc là, du coup, on peut rien changer. Ça, c'est dommage. Mais on a un avantage, c'est que du coup, ici, on peut changer plein de trucs. Donc, type de système attelage. Donc voilà. Donc là, du coup, ça. Après, système d'attelage. Donc là, number 2, voilà, number 9, donc là, vous pouvez mettre, par exemple, moi, j'ai, voilà, donc là, tu peux mettre le numéro de la date de naissance, genre, tu peux mettre le 10, moi, j'ai mis 10, voilà. Personnalisation, 1 fois laser pilote, donc là, après, t'as le 2, voilà, donc je sais pas à quoi ça sert, donc ça, ça doit être pour, on peut monter à 2 dedans. Missing configuration, donc voilà, donc du coup, vous avez encore des modifications dans celle-là. Et voilà, celle-là, il n'y a rien du tout. Par contre, c'est une 6 mètres. Et celle-là, c'est une 7 mètres 5. Voilà, donc du coup, c'est déjà pas mal. Voilà, donc déjà, avec ça, t'avances déjà pas trop mal. Donc voilà, donc du coup, je la mettrai en barre d'infos. Donc voilà, donc c'est une présentation assez courte. Parce que du coup, il n'y a pas grand-chose d'autre à présenter. À part que c'est une très, très, très belle machine. Donc voilà, du coup, c'est un peu tout. Voilà, donc du coup, c'est quand même une très belle machine. Et donc du coup, nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo présentation. Donc du coup voilà, donc du coup n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et du coup moi je vous dis ciao.